Jésus guérit, il pardonne, il délivre. La volonté de Dieu n'a jamais été que ses enfants soient dans la pauvreté ou la misère. Et dommage, derrière la pauvreté et la misère se cachent des démons coriaces dont le rôle est de travailler ardemment pour empêcher les hommes de vivre la prospérité. Ça a été le cas de Diomandé que nous avons retrouvé dans la ville de Séguéla. Cet homme très pauvre, et le paradoxe, il était comptable, n'arrivait même pas à joindre les deux bouts. Avoir un seul repas était un luxe, surtout qu'il vivait avec son épouse et sa fille. Mais un jour, après plusieurs années dans cette pauvreté, ce couple va découvrir qui se cache derrière cette misère dans laquelle ils vivent. Et quand la cause est dévoilée, la victoire devient une réalité. C'est un puissant témoignage que, très chers téléspectateurs, je vous invite à suivre maintenant dans ce numéro de Vie Transformée. Bienvenue. Je me nomme Diomandé Mohamed. Mon épouse se nomme Diomandé Marie-Paul. Nous avons 3 enfants. Elle est présentement enceinte et nous attendons notre 4e enfant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont le Seigneur a transformé ma vie en me délivrant de la pauvreté et de la misère. J'étais très misérable et très malheureux. Mais quand j'ai rencontré Jésus, la prospérité est entrée dans ma famille. Et tout a commencé depuis l'année 2011, où j'ai rencontré pour la première fois Marie-Paul. Et elle est tombée enceinte. J'ai refusé cette grossesse-là. Elle s'est retrouvée en famille, précisément à Zopé chez sa maman. 8 mois après, je l'ai appelée pour reconnaître la grossesse. Effectivement, il avait refusé la grossesse. Et ça m'a fait très mal. Parce qu'on s'était entendu sur le fait qu'on devait avoir un enfant ensemble. On avait pris la décision ensemble. Et quand je suis tombée enceinte, il a décidé de couper les ponts avec moi et ça m'a fait très mal. C'est comme ça que, en cherchant la solution à me débarrasser de la grossesse, comme ça que je me suis retrouvée chez ma mère. Et étant là-bas, c'est là-bas qu'on a croisé l'évangile à la CMCI. Et j'ai décidé de me ranger et je me suis donnée au Seigneur. J'ai fait la repentance, tout. Avec le jeûne. Et le lendemain, j'étais à 8 mois de la grossesse. Après mon baptême, il m'a appelé. Effectivement, je l'ai appelé. Et à la veille, c'était comme si j'avais fait un songe. Et une voix me disait, appelle Marie-Paul, appelle Marie-Paul. Et je tournais en rond parce que ma conscience me grondait. Je me disais que je l'avais abandonné. Et si je l'appelle, est-ce qu'elle va décrocher mon appel? Mais il faut le dire, quand je l'ai appelée, c'est avec beaucoup de joie qu'elle a décroché cet appel. Et elle m'a même demandé, je lui ai même demandé si je pouvais venir. Elle m'a dit que non, il n'y a pas de problème que je pouvais venir. Et il y a eu une joie intérieure en moi. Et je me suis préparé à aller à Zopé la retrouver. Après l'avoir abandonnée pendant 8 mois de grossesse. Quand je me suis rendu à Zopé, il faut dire qu'avant de partir, j'étais consacré à l'islam, j'étais musulman. Et quand je suis parti, dans le week-end qui suivait, il y avait un programme à l'église d'Azopé. Et j'ai été invité. Et quand je suis arrivé dans le temple à Zopé, l'accueil, c'était comme si je me retrouvais en famille. Les membres de l'église m'ont accueilli avec un large sourire. C'était comme si je vivais même avec eux. Je n'étais même pas étranger parmi eux, alors que je venais de Séguéla. Et j'étais beaucoup observateur, parce que je la regardais et j'ai vu la transformation en elle. Je lui ai dit que moi, je connais le Seigneur Jésus maintenant. Donc, il y a certaines choses
qu'on ne peut plus faire. Je me suis repentie, je me suis baptisée. Et maintenant, je ne peux plus faire. Il faut dire que je pouvais dire que ça fait des mois. On s'est séparés, on est revenus. Il fallait que je reste avec lui, quelqu'un qui allait, parce que lui, il allait me voir dans l'esprit de copinage. C'est dans cet esprit qu'il est parti. Mais moi, j'avais déjà mis fin à lui. Parce que le Seigneur m'avait déjà délivré, j'avais déjà connu la vérité. Donc, il fallait que je maintienne ma position. J'ai maintenu ma position. Elle était beaucoup joyeuse. Et suite au programme, le pasteur de l'église d'Azopé a décidé de me rencontrer. Et quand il m'a rencontré, il m'a prêché pour la première fois l'évangile. Mais il faut dire que j'étais carrément sur ma position parce que j'étais encore pratiquant de la religion musulmane. Et il m'a même recommandé au pasteur Kwame Fabrice à Séguéla. Et il m'a donné son numéro. Et celle qui est devenue présentement mon épouse m'a demandé à ce que, m'a recommandé aussi au pasteur Kwame Fabrice en me disant que si je rentrais à Séguéla, d'appeler le pasteur Kwame Fabrice. Quand je suis rentré à Séguéla, j'ai refusé cela parce que je m'appelle Djomandé Mohamed. Je suis l'homonyme du prophète. Me retrouver dans une église serait comme si j'étais en train de déchirer le cœur de mes parents. Parce que je suis originaire de Séguéla. Donc je me voyais très mal en train d'être indexé en tant que chrétien. Mais le Seigneur s'est manifesté. Parce que là où je me trouvais, non seulement j'avais une grossesse, parce que j'avais pris mes responsabilités, j'avais une grossesse à couvrir. Et j'étais stagiaire. Et je ne gagnais rien du tout. Donc j'étais conscient que dans cette situation, je ne pouvais pas m'occuper d'un enfant ni d'une femme. Mais il fallait quand même que je prenne mes responsabilités parce que j'avais la foi que les choses pouvaient changer. Mais je ne savais pas où partir. Par la persévérance et la prière de Marie-Paul et son équipe à Zopé, j'ai décidé comme ça de rencontrer le pasteur Kwame Fabrice. Et le jour où je l'ai appelé, je me suis dit dans mon fort intérieur que si je le croisais, j'allais l'expliquer tous mes problèmes. Et quand je l'ai rencontré, il m'a prêché l'évangile. Et quand il m'a prêché l'évangile, dans l'immédiat, mon cas était tellement sérieux qu'il a décidé que je prenne un moment et il m'a conduit à la repentance. Et je me suis repenti de tous mes péchés en pensée, en parole et en acte. Et il m'a conduit aux eaux du baptême. Et il m'a baptisé. Et tout ça, je l'avais fait en cachette. Parce que j'étais toujours en famille musulmane. Et quand j'ai fait la repentance, il faut dire qu'il y a une transformation qui s'est opérée en moi. Parce que j'avais arrêté de consommer l'alcool. J'avais arrêté de fumer la cigarette. J'avais arrêté aussi la drogue et j'avais aussi arrêté les femmes. Et j'avais reçu en moi une transformation. Et cette même transformation que je ressentais en Marie-Paul. Je me cachais les dimanches pour venir à l'église. Dieu, par amour pour moi, a créé une situation dans laquelle je me suis retrouvé chez le pasteur Kwame Fabrice. J'explique. Il y a eu un incident en famille et de par ma position, puisque je suis converti, j'ai décidé d'être pacifique, c'est-à-dire de prôner la paix. Et on m'a vidé, on m'a chassé de la famille. J'ai dit, tiens, mais voici une occasion pour me rapprocher de Dieu. Donc dans l'immédiat, j'ai appelé le pasteur Kwame Fabrice et il m'a demandé où j'étais, je lui ai donné ma position. Et il a appelé un frère qui était responsable d'un service qui est venu me chercher avec la voiture de service pour me conduire au temple. Et quand je suis arrivé, il était joyeux de me voir parce que là, c'était une occasion
pour lui de pouvoir, et pour moi-même aussi, de pouvoir continuer ce que nous avons commencé à travers la repentance, le baptême. Et je ne pouvais plus me cacher. Donc maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu, mais il fallait que je guérisse intérieurement parce que j'ai traversé des moments difficiles durant mon enfance. J'ai vécu dans des difficultés. Personne ne voulait de moi parce que j'étais un drogué. J'étais quelqu'un qui fumait la cigarette, qui buvait l'alcool, qui était beaucoup avec les prostituées et qui aimait les femmes. Et suite à cela, nous avons commencé par travailler par le ministère de la guérison intérieure. Et à travers ce ministère, j'ai senti mon âme qui se libérait au fur et à mesure. Et quand nous avons fini ça, il m'a demandé encore de faire mon brisement des liens. Et nous avons fait le brisement des liens. J'ai pris un moment et il m'a délivré de tous les liens malsains qui avaient une emprise sur ma vie et qui m'empêchaient d'être transformé. Et au même soir, le brisement des liens a tellement duré qu'au moment, à la fin du ministère, le ciel s'est assombri et une forte pluie est venue. Les jours qui ont suivi, en tant que stagiaire, j'ai été embauché dans l'entreprise où j'étais censé faire 3 mois de stage. Je me suis retrouvé en train de faire pratiquement 1 an, 6 mois de stage en tant que comptable, puisque c'est moi qui faisais pratiquement tout à ce poste-là. Mais j'ai été rusement utilisé par mes employeurs parce qu'ils savaient que je venais d'être chassé et ils savaient que aussi j'attendais un enfant. Donc mon salaire a été mal négocié. J'avais même pris une décision, mais ils m'ont dit que les choses allaient s'améliorer. Mais j'avais la foi parce que j'étais indispensable à mon département. J'ai continué à servir, pensant que la situation allait s'améliorer et puis j'allais faire ma dot facilement par moyen. Mais figurez-vous, rien n'a changé. Donc j'étais obligé de replier sur moi-même pour m'organiser, pour faire ma dot. Et quand je voulais faire ma dot, le diable s'est manifesté, mais le Seigneur a vaincu encore le diable. Parce que j'ai rencontré des difficultés pendant la dot. Mais suite à cela, le Seigneur s'est manifesté, il a facilité les choses. Et les choses se sont bien passées. Je suis parti avec le pasteur Camille Fabrice. Aucun membre de ma famille ne voulait partir avec moi parce que j'étais devenu chrétien. Et nous sommes allés et nous sommes revenus. Et les jours qui ont suivi, elle est venue avec mon enfant qui est né, notre première fille, Diomandé Prunel. Et quand nous sommes revenus, je devais prendre mes responsabilités en tant que chef de famille, m'occuper d'une femme, m'occuper d'un enfant avec un salaire mal négocié. Et c'est là que la difficulté a commencé. On se retrouvait en train de manger des sauces de 3 à 4 jours. On avait pris une maison, il n'y avait rien dans la maison, à telle enceinte que quand on recevait de la visite, ils étaient obligés de s'asseoir même à l'escalier. Et frère, c'était ridicule. Je souffrais parce que je n'arrivais même pas à même donner de l'argent à ma femme pour pouvoir avoir une gamme de produits pour s'entretenir. Et c'était toujours les mêmes habits. Effectivement, c'était difficile quand on est arrivé parce que moi-même, c'était difficile pour moi. En tant que comptable, cela même a engendré beaucoup de disputes dans notre couple. Parce que je me disais que, en tant que comptable, j'étais bien payé. Qui faisait exprès, en fait, de ne pas subvenir à nos besoins, de ne pas faire les choses, acheter les choses à la maison. Et moi, c'était difficile, ça créait des tensions même entre nous. C'était très difficile, surtout quand je suis tombée enceinte même de notre deuxième fille. Vraiment, c'était difficile financièrement, au point où même on n'a pas pu faire un trousseau normal. On est obligé de prendre même le trousseau de la première fois. Pour les choses de la première, est-ce qu'on a pris pour s'occuper de la grande, de la deuxième. Et c'est ainsi de suite comme ça qu'on a
commencer à vivre. Et vraiment, la situation était très difficile, dans la mesure où je n'étais même pas à mesure même de pouvoir même acheter des couches jetables. C'était devenu comme un luxe pour moi. On était obligé de revenir à l'ancienne, c'est-à-dire les morceaux d'épargne avec couches 100 francs, et chaque fois, il fallait changer. Et pendant la grossesse, elle a traversé des moments difficiles. Ensemble, nous avons persévéré, parce qu'il était difficile même de respecter même les rendez-vous à l'hôpital. On ne peut pas faire face aux ordonnances. Et notre deuxième fille est née avec beaucoup de carences. Une fois même, j'ai failli couler les larmes. Notre première fille, quand elle est née, à cause des carences alimentaires, non seulement la mère enceinte n'arrivait pas à manger convenablement, donc la petite est née sans cheveux. Donc nous sommes allés voir un médecin pour lui demander comment se fait-il qu'une fille peut naître sans cheveux. Et il m'a dit simplement que c'est parce que la grossesse a été mal entretenue. C'est-à-dire que la mère ne mangeait pas convenablement et ce sont ces carences alimentaires-là qui font que la petite n'a pas de cheveux. J'ai failli même couler les larmes. Effectivement, je n'avais pas les moyens pour entretenir la grossesse. Et quand l'enfant est né, nous avons continué à traverser des difficultés. Suite à cela, il fallait encore nourrir deux bouches en plus d'elle et avec toujours ce même salaire-là. Et vraiment, c'était peinant. Vers la fin, ça devenait des disputes. Et parfois, je me retrouvais seul à me poser la question de savoir dans quoi je me suis mis, est-ce que j'arriverai un jour. Mais quand je venais au programme de l'église, les frères me consolaient, les frères me rassuraient. Parce que toute fois que je venais à l'église, il y avait l'esprit de contentement, de joie. Et pendant ce temps, je traversais toujours ces mêmes difficultés au poste parce que j'essayais de négocier pour dire qu'en tant que comptable, parce que tout le monde me connaissait dans la ville en tant que comptable, mais je ne faisais pas le comptable parce que je n'avais pas le moyen. Il faut dire comme ça que mon épouse a fait beaucoup de sacrifices sur elle pour pouvoir au moins laver notre image. Parce que quand elle sortait, on se moquait d'elle, disant que voici la femme du comptable de telle entreprise, mais on ne ressentait pas ça en elle. À telle enseigne qu'elle-même, elle subissait des moqueries. Certaines personnes même se moquaient d'elle en lui disant que nous, on ne fait rien, même on a encore mieux, même ceux qui sont, que celles qui sont mariées, nous qui ne sommes pas mariés. Et quand elle m'a raconté cela, vraiment, j'ai eu de la peine. Parce que ce n'était pas étrange vis-à-vis de moi. C'était vraiment difficile. C'était tellement difficile au point où même me pommader, c'était difficile, je n'arrivais pas à avoir l'argent pour acheter la pommade, c'était avec l'huile. Je prenais, me pommader, tous mes cheveux même, tout était fini sur ma tête, peuplé, toujours là, sur ma tête. Et vraiment, c'était difficile. Et aussi, on devrait honorer, comment dirais-je, on devrait faire le mariage. Et c'est dans ça aussi qu'on a commencé à serrer la corde encore pour pouvoir organiser notre mariage. Oui, on devait faire le mariage par obéissance au Seigneur, mais dans des difficultés. Parce que le mariage devait suivre la dot. Mais on n'a pas pu et c'était difficile. Et il y avait un challenge dans la mesure où c'est nous qui devons être le premier mariage de l'église à Ségéla ici. Donc on voulait tout faire pour être à la hauteur en tant que jeune couple, mais on n'avait pas les moyens. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait persévérer dans la prière. Et nous avons persévéré dans la prière. Nous avons persévéré dans la prière à telle enseigne que le même jour que nous avons proclamé que nous devons nous marier, la nuit quand nous sommes rentrés, nous sommes regardés. On n'a pas eu d'autre choix que de lister tous nos besoins et de prier rubrique par rubrique jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Mais quand nous avons commencé au départ, il faut dire comme ça qu'on ne voyait rien. Parce que même pour manger, c'était difficile. Mais on a persévéré. Persévérer jusqu'à à pratiquement un mois du mariage, le Seigneur a ouvert les portes financières. Des personnes que moi-même je ne croyais même pas, qui m'avaient abandonné, m'ont appelé pour me dire que mon père les a rendus des services, qu'ils ont appris que je me marie, m'ont offert mon costume, m'ont offert les chaussures. Des parents même qui m'avaient abandonné ont même
ouvert les portes financières en contribuant de part et d'autre. L'Église s'est mobilisée pour le premier mariage. Et vraiment, toute la crainte que j'avais au début s'est effacée dans tout un coup. Et le mariage était une réussite parce que Dieu même s'est manifesté à travers les donateurs. Je n'avais rien, mais je me suis marié avec tout cadeau. Nous avons obéi au Seigneur, nous avons écouté la voix de Dieu et Dieu s'est manifesté et tout s'est très bien passé. Mais quand nous sommes revenus à notre réalité, les semaines qui ont suivi, on a commencé à boire la bouillie. C'était difficile. C'était très difficile très encore. Difficile. Très difficile. Très, très difficile. Dans la mesure où encore, franchement, frère, on était sous l'emprise de la malédiction. Dans la mesure où, à tout moment, quand on manifestait une joie, ainsi peu de temps après, ça devenait des histoires. Et elle, par la suite, a été délivrée du mari de nuit qui faisait que toutefois, nous nous disputons. Parce qu'il n'y avait pas de complicité entre nous. Je n'arrivais même pas à lui parler en tant qu'épouse. Chaque fois quand je venais très nerveux, je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait aucune complicité entre nous. On était tout le temps ensemble, mais on n'était pas ensemble. Oui, je veux préciser que effectivement, on se disputait à chaque fois. Vraiment, celui-là même que j'ai vu qui m'aimait, qui est allé faire ma dot, j'ai compris que je me suis dit que c'était de l'habillage. À chaque fois qu'il rentre, mon bonjour devient des histoires. Et j'avais déjà même rendu le témoignage dans cette émission pour dire qu'il y avait un mari de nuit qui m'a beaucoup fatiguée. Il y a eu un songe dans lequel on s'est marié. Effectivement, je me suis réveillée. La bague était à mon doigt. Et c'est comme ça, par la prière, le Seigneur m'a délivrée. Et depuis lors, quand le Seigneur m'a délivrée, c'est là même que mon mari s'est ouvert à moi. Il m'a étalé son salaire. Parce qu'au début, comme j'ai signifié, je ne le comprenais pas. Il me disait qu'il faisait exprès. En tant que comptable, on vivait dans la misère, il faisait exprès. Donc c'était moi, mon palabre avec lui, là, qui était là. Mais quand il m'a étalé, après cette délivrance, il s'est ouvert à moi, il m'a parlé. Vraiment, j'ai vu à quel point il souffrait, même ne serait-ce que pour avoir 1000 francs pour nous donner, pour faire le marché. J'ai vu vraiment qu'il souffrait, qu'il fallait une intervention divine pour que cette situation change. Effectivement, il faut dire comme ça que une voix m'a parlé pour dire que si nous rencontrons des difficultés, c'est parce que celle avec qui je vis, ses prières ne sont pas orientées. Si je l'exposais à ce que je vivais, ça allait être encore plus intéressant d'orienter les prières pour que la divinité soit authentique. Parce que, en plus des difficultés que nous avons rencontrées, nous avons encore eu un garçon après le mariage. Et dès que l'enfant est né, j'ai connu le chômage technique. Et la difficulté s'est encore empirée. Ils avaient comme ça dit qu'on allait faire 2 mois de chômage technique suite au COVID. Mais ils ont doublé la mise. Pour les 2 premiers mois, nous sommes débrouillés. Mais les 2 autres mois qui ont suivi, ça a été très, 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 très difficile. Le salaire même qui n'était pas bon avant, il fallait qu'on divise. Et ils ont divisé le salaire encore. C'est-à-dire que la situation m'était devenue pire. Les parents même t'ont demandé de rentrer? Les parents même ont demandé à ce que je rentre. Ma maman m'a appelé, si ça ne va pas, il faut rentrer, il faut venir en famille avec les enfants, le temps qu'ils se débrouillent là-bas. Au fait, ma maman, elle se souciait de nous, comment on va manger, on va payer le loyer. Vraiment, elle avec un bébé. Avec un bébé en main, 2 enfants. Vraiment, elle voulait que je rentre. Mais j'ai dit non, que je ne vais pas rentrer. Je vais rester avec Paris. Et ensemble, on va affronter ces difficultés-là. Et on a traîné ce problème-là avec moitié des salaires de 2020 en 2023.
pratiquement en 2022. Voilà, nous avons traîné le salaire divisé. C'est-à-dire que non seulement le salaire en entier, on n'arrivait pas à vivre. Et si le salaire devait venir divisé, puisque suite à ce chômage technique, nous avons révisé nos contrats. Mais vu la condition dans laquelle nous étions, je n'avais pas le choix que d'accepter ce contrat-là. Mais j'avais la foi que la situation allait changer. Puisque mon épouse et moi, on faisait un maintenant. Donc toutes les prières étaient orientées et tous les fardeaux étaient déposés au pied de Jésus-Christ. Et Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. Certes, je ne grandissais pas professionnellement, mais spirituellement, je grandissais. Parce que nous sommes consacrés à l'œuvre de Dieu. De dirigeant, j'ai été promu à l'ordre des anciens au programme qui a eu lieu ici à Séguéla l'année passée, c'est-à-dire la convention, en 2021. Et continuer à travailler pour le Seigneur, demeurer dans la prière et rendre le ministère pastoral encore plus authentique dans une région aussi difficile. Vers la fin même, on ne se voyait même plus pauvre parce qu'on se voyait toujours riche en Jésus. Vraiment, on n'a pas baissé les bras. Il faut dire que malgré la situation financière difficile, on est resté attaché au Seigneur dans la prière, dans le ministère, en tant que semeur et ici en tant que dirigeant second. Nous traversions les difficultés, mais on était sûr d'une chose, que c'était par la prière qu'on devait être délivré. C'est pourquoi je m'organisais de telle sorte à ce que mon épouse et moi payons le prix dans la prière et qu'il faut qu'elle aille dans le grand programme de prière, à savoir celui d'Atiekwa. Effectivement, je suis allé à Atiekwa. J'ai toujours demeuré dans la prière. Parce que j'avais compris que le problème était spirituel. Sinon, si c'est papier, travail, il fait. Mais le problème est spirituel. Et je lui disais à chaque fois que c'est un problème spirituel. Et je prenais des moments même à la maison, je priais pour lui. Et c'est comme ça que le renversement des principautés est arrivé. Première année, on est parti à Tékwa. Et vraiment, quand je partais, le pasteur Méni avait dit que chacun envoie 10 sujets. Moi, il y avait un seul sujet. Le Seigneur se souvient de mon mari. Dans le travail, le Seigneur l'élève au niveau financier. Et je suis partie, on a prié. Et c'est comme ça que j'ai eu un songe. Et dans le songe, on devait lui donner maison, voiture, on devait lui donner des choses. Et quand on est parti, on devait se rendre à Abidjan. Arrivé à Abidjan, on arrive dans les lieux, on nous dit carrément qu'il est déjà passé. Je dis, comment ça, il est déjà passé? Le monsieur me dit, mais monsieur Diomandé est déjà passé. Il est déjà passé. Et bon, on se retournait et puis la dame m'a appelé. Elle dit, tiens, voilà ce que lui reste. Et puis c'était une clé. Et j'ai pris la clé. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai prié. Il dit, mais c'est quoi? J'ai expliqué même. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, mais je ne sais pas. Donc on a prié. Et puis c'est passé. Et quelques mois après, il est venu me dire, vraiment, on m'avait promu. Mais quelqu'un, mon patron est venu me dire que on m'a promu, mais le DAF a déchiré ma promotion. Frère, quand il a dit ça, automatiquement, je suis rappelé du son que j'ai fait depuis 2021. Et ça, c'est en 2022. Il est venu me dire ça. Je me suis rappelé du songe. J'ai dit, mais c'est le songe que j'avais fait. Et je n'ai pas compris. Frère, ça a ouvert mes yeux. Et depuis lors, je n'ai pas passé un jour sans prier sur ce sujet. Et j'ai commencé à crier au Seigneur pour réclamer, arracher sa promotion. Le diable m'avait volé ma promotion. Parce que j'étais en poste avec quelqu'un qui n'a même pas de diplôme financier, mais qui avait été promu au-dessus de moi. Et l'injustice était tellement flagrante
que tout le monde en parlait, mais personne ne réagissait. Donc là encore, j'avais compris qu'il fallait encore persévérer et demeurer dans la prière. Et mon épouse, toujours dans la prière, moi-même toujours dans la prière. Et c'est comme ça que je continuais vraiment à mener le combat de mon côté. Parce que lui, il doit sortir, se grouiller pour envoyer la nourriture, pour envoyer de quoi manger. Et moi, j'avais compris que je devais investir mon temps dans la prière. Étant à la maison, c'était mon fardeau. On va à l'église, aux réunions de prière. C'était, quand on dit sujet, besoin personnel, c'était mon sujet, que le Seigneur se souvienne de lui. Et cette année 2023, le renversement des presbytères 2023, vraiment, j'étais dispersée au fait. Parce que je me disais que ça fait des années, je prie. On dit de donner 10 sujets à chaque fois, moi je donne un seul sujet. Mais mon un sujet là, je ne vois pas tête, je ne vois pas que. Donc cette année-là, vraiment, je vais laisser. Mais j'étais dispersée, j'étais troublée. Et je disais, j'ai dit comme ça au Seigneur, « Oh Seigneur, oriente-moi. Cette année-là, tu veux que je prie pour ma famille ou bien je me concentre encore sur mon mari. Donc, oriente-moi. » Pendant ce temps, on avait déjà déposé ces dossiers à quelque part dans une entreprise. Bien avant ça, même Dieu même avait travaillé. Parce qu'il faut dire que notre complicité était tellement agréable aux yeux de Dieu. C'est qu'il y a un oncle qui m'a vu un jour, qui dit qu'il a besoin d'une personne pour diriger sa petite entreprise. Il m'a confirmé qu'il voit en mon épouse une personne sur qui il peut compter. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Quand je lui ai annoncé cette nouvelle, il faut dire qu'avant ça, elle ne travaillait pas. Et quand elle allait travailler, on a échangé. Tout s'est bien passé, elle a obtenu son travail. Et comme Dieu ne dort pas, c'est ce même travail que mon épouse a eu, c'est à travers ce travail-là qu'aujourd'hui, moi j'ai pu obtenir mon travail. C'est-à-dire que les clients qui venaient faire les affaires avec elle dans l'entreprise où elle est présentement, elle a proposé mon dossier au patron. Mais il faut dire comme ça que le diable a failli nous voler encore cette victoire, dans la mesure où, la première fois, elle n'avait pas donné mes dossiers. Après, elle s'est rappelée qu'elle avait fait une bêtise. Il fallait nécessairement qu'elle donne mon dossier. Et quand elle est partie donner mon dossier, lui qui a reçu mon dossier a dit effectivement qu'elle fait bien de lui donner mon dossier. Parce que là, elle a tapé à la bonne porte. Et il a déposé mes dossiers là où je me trouve présentement, dans une très grande entreprise. J'étais là et tout d'un coup, je me connecte, je vois mon WhatsApp, le client en question qui venait faire des affaires avec moi, qui j'ai donné le dossier de mon mari, m'envoie un message pour me dire, envoie-moi le nom et le numéro de ton mari. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, tu veux que je continue, j'ai compris. Donc, j'ai commencé, ça c'était le 4 juillet, quatrième jour de la croisade du renversement des principautés. Et j'ai commencé à prier. Et pendant ce moment, vraiment, j'ai expliqué le songe à mon mari. Ensemble, on a commencé à intercéder que le Seigneur intervienne. Le 4 août, vers la fin juillet, ils l'ont appelé. Bon entretien. Au travail. Il m'a appelé, ah, des gens là m'ont appelé pour un entretien. J'ai dit gloire à Dieu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et dans la nuit, j'ai eu un songe. Dans le songe, c'est comme s'il devait aller signer des papiers. Comme le songe j'ai fait en 2021. Et on arrive. Il y avait quelqu'un qui était à sa place. Et vraiment, la personne, c'était son double, en fait. C'était son double. Même habit. Même, il a dit, même chose. Et quand je suis arrivée,
Le monsieur a fait sortir le dossier et il a dit demandez Mohamed. Et puis, j'ai répondu derrière. Oui, demandez Mohamed est là. Le monsieur dit non, mais voilà, demandez Mohamed qui est assis devant. Mais il dit, c'est pas lui. Que voilà, demandez Mohamed qui est assis. Donc, le monsieur est écarté, il dit, il faut passer. Puis lui, il est passé. Puis j'ai dit au monsieur que lui, là, c'est un voleur. Que c'est pas lui. Il a dit, ah bon, donc c'est toi qui voles ce qui doit revenir à mon mari. Aujourd'hui, là, tu as été dévoilé. Et j'ai commencé à le chasser. Je l'ai chassé du bureau du monsieur. Et je suis revenue. Et mon mari était là. Et je lui ai dit, il faut t'asseoir. Il s'est assis. Et c'est comme s'il était immobilisé, au fait. Et moi-même, j'ai commencé à tourner les pages. J'ai dit, signe, il signe. Je tourne, il signe. Il y a 8 pages. Il a signé les 8 pages. Frère, quand il a signé, je me suis réveillée le matin. J'ai béni le nom du Seigneur. Et puis ce jour-là, il partait dans son ancien service. Les mêmes habits. Je vous dis, même habits avait vu dans le songe là. Les mêmes habits il a porté. Et c'est quand il est sorti, il est venu au salon, je l'ai vu, je me suis rappelé du songe. Et puis il a commencé à sourire. Et puis je lui ai expliqué le songe. Que ces mêmes habits il a vu dans le songe hier là, ces mêmes habits. Et quand il est arrivé au travail, vers les 6h, 7h, 8h, à 11h, il m'a appelé pour l'entretien. C'est-à-dire que le songe a été du tic au tac. Le lendemain du songe, il m'a appelé, il dit, on m'a appelé pour l'entretien. Et puis, ça avait même Mabi, on a vu dans son, il a vu dans son, même Mabi là, mais il allait faire l'entretien avec. Effectivement, je suis allé faire l'entretien. Il faut dire comme ça, dans l'entreprise où j'étais, qui me payait pas à bon prix, m'avait, comme Dieu travaille, m'avait donné une formation les mois précédents, dans le mois de mai. Et quand je suis parti dans l'entretien, il y a eu des questions qui étaient liées au logiciel. Et j'avais bien compris cette formation-là. Et donc, j'avais dit à mon épouse que si je vais, en tout cas, je vais venir avec une bonne nouvelle. Parce que j'avais cette conviction-là. Et quand je suis arrivé, parmi tous ceux qu'ils ont recrutés, j'étais quelqu'un quand même très concentré. L'entretien a été un succès. Vers la fin, c'était devenu comme un échange entre moi et mes nouveaux employeurs. Et je les ai marqués. Quand il allait faire l'entretien, parce que le client, en fait, mon partenaire avec qui il a déposé le dossier, c'est le DRH de l'entreprise. Quand ils ont fini l'entretien, avant que lui-même il arrive à la maison, le monsieur m'a envoyé un message pour me dire que l'entretien s'est bien passé et ton mari fait notre affaire. Donc c'est moi-même, je l'ai appelé. Avant que je n'arrive. Je l'ai appelé pour lui dire, ah, j'ai eu le son, hein. J'ai déjà le son même. C'était comme si c'est quelque chose qui brûlait en moi. Les paroles que je sortais, tout ce que je faisais, à ce jour, tout me réussissait pendant l'entretien. J'ai été au top des tops. Et je suis rentré à la maison, tout joyeux, pendant qu'il y a une bonne nouvelle aussi qui m'attendait à la maison, qui me dit que j'avais été à la hauteur de leurs attentes. Et après, nous sommes restés dans l'attente. Et ils m'ont rappelé pour aller faire la visite médicale parce que je ne devais pas rentrer comme ça. Et quand je suis allé faire la visite encore, Dieu a conduit les choses. Parce que je ne savais pas comment faire pour me libérer de l'entreprise qui m'oppressait. Mais toutefois, Dieu créait les choses. Et la visite médicale s'est passée un dimanche. Donc ça a été fait dans l'anonymat, je suis allé faire et ça a été un succès et j'ai repris fonction. On m'a appelé un matin pour me dire de venir un dimanche encore pour de venir signer mon contrat. Et quand je suis parti signer mon contrat, j'ai tremblé de joie parce que ce que je prévoyais comme salaire, ça a été au-delà de cela. Dieu a multiplié mon salaire avec tous les avantages. Il faut dire que dans cette extrême pauvreté que nous étions, le loyer augmentait chaque... Non seulement c'est une vieille maison depuis 30 ans, le loyer augmentait. Mais comme on ne savait pas où partir, parce que même pour mobiliser les fonds, pour déménager même, on s'est dit qu'il fallait qu'on reste ici en attendant que la situation change. Parce que si on s'est dit que même pour mobiliser les fonds, pour déménager, là, ça allait avoir un coût.
Or, ce coup-là, on peut prendre au moins pour manger, pour s'occuper de l'un et de l'autre. Et Dieu m'a permis que je signe un contrat avec tous les avantages. C'est-à-dire simplement, ma prime de logement même équivaut même au salaire que je percevais dans l'ancienne entreprise. Ma prime de logement équivalent à l'ancien salaire que je percevais. Et la prospérité est entrée dans ma famille. Aujourd'hui, je donne l'argent du popote avec beaucoup d'aisance. Je donne aujourd'hui et l'argent de poche à mon épouse ainsi qu'aux enfants. Et j'honore tous mes engagements vis-à-vis de Dieu. Et il faut dire comme ça que je suis même en construction. Je suis en train de construire notre maison que nous allons habiter très bientôt. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu s'est glorifié de la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes passés à la prospérité. Et je vous encourage à entrer dans les voies de Dieu. Parce que c'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Parce que quand j'entrais à Séguéla, mes propres parents sont moqués de moi. Toi, nous, on allait faire apprenti Baka. Toi, tu es venu avec tes diplômes. Tu comptes faire quoi ici à Séguéla? Et ce même salaire que je pensais que si ce n'est pas à Abidjan ou ce n'est pas peut-être dans une autre ville, hormis Séguéla, je pouvais avoir. Mais le Seigneur a permis que moi, au lieu de partir vers une entreprise, l'entreprise est venue vers moi. Et le poste que j'occupe présentement, c'est un poste qui a été réservé pour moi. Je suis le premier à occuper ce poste-là dans toute la région. Et je vais rendre grâce au Seigneur pour cela. Quand il allait signer le contrat, puisque là où moi-même je travaille, il m'a trouvé là-bas avec ça. Je l'ai vu, j'ai dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il m'a donné papier, j'ai vu vraiment, j'ai commencé à courir dans tous les sens. Parce que le Seigneur a fait au-delà de ce que on pouvait penser, on pouvait imaginer. Le Seigneur a fait au-delà. Franchement, même les heures avant, si tu me disais qu'il allait avoir ça, franchement, il allait te faire. Mais le Seigneur nous a surpris. Et vraiment, vraiment, j'étais beaucoup. J'étais contente. Et pour commencer d'abord, il dit, on va déménager vraiment la maison. Et il dit, gloire à Dieu, on allait chercher une maison. Il faut chercher une maison qui te plaît. J'ai cherché une maison qui me plaît. Et vraiment, il a pris la maison. Vraiment. L'ancienne maison où nous étions, il n'avait même pas de cuisine. On n'avait même pas de placard. On était obligé de partager la douche avec les enfants. La maison que nous sommes dedans présentement, il y a 3 douches. C'est-à-dire que il y a une douche pour nous, il y a une douche pour les visiteurs, il y a une douche pour les enfants. Et avec une grande cuisine. En tout cas, une maison très bien carrelée qui est à la hauteur de tout ce que je perçois. Et je veux rendre grâce à Dieu encore pour ce changement qu'il a opéré dans ma vie. Dans notre vie. J'ai commencé là même par la maison, mais ça a été un grand changement pour moi. Parce que qui n'aime pas vivre dans une jolie maison, jolie cuisine, on rentre chez toi, la cuisine est bien chose. Vraiment, ça a été. Et pendant moi aussi, avec mon mari, pendant des années, je suis là même pour avoir l'argent. Tiens, va payer ta pomme, viens, va faire, c'était difficile. Mais tout a changé un peu. Malgré que au début, avant, je ne travaillais pas. Je n'avais pas d'argent de poche. Maintenant même que je travaille, avec mon salaire, on me donne l'argent de poche encore. Donne l'argent des enfants. Vraiment, je vais dire merci au Seigneur. Tout ça, c'est la main de Dieu. La fille qu'on voulait avorter, aujourd'hui, elle nous fait honneur. Elle est première de classe. Elle est la première de sa classe. Et chaque année, elle est sollicitée pour des œuvres dans son établissement. Et vraiment, ça nous bénit. Jésus délivre de la pauvreté. Ça, je confirme. Je confirme parce qu'à travers toutes les situations que j'ai traversées, j'ai réalisé que c'était par la prière. C'est la prière. Quand nous, d'un commun accord, nous avons opté pour faire la prière, le sens de notre vie,
nous avons réalisé qu'à travers la prière, le Seigneur nous a délivrés de l'envoûtement. Parce que j'étais envoûté, j'étais source de moquerie. Et elle-même, on se moquait d'elle à cause de moi. Et moi-même, j'étais un irresponsable. Mais quand j'ai rencontré ce Jésus, qui est le vrai Dieu, j'ai été transformé. Ma vie a changé. Et aujourd'hui, je suis un modèle de personne. Tous ceux qui me rejetaient, aujourd'hui, viennent prendre conseil auprès de moi. Parce qu'ils savent que Jésus est dans ma vie. La gloire revient au Seigneur Jésus-Christ qui remporte toujours de grandes victoires. Et dans la vie du couple Diomandé, c'est le passage de la misère à la pauvreté, à la bénédiction et la prospérité. Toutes les pauvretés n'ont pas pour origine les démons ou Satan. Car l'apôtre Paul le dit si clairement, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mais le cas du couple Diomandé, nous l'avons entendu, l'homme travaillait, il était comptable, il avait même 4 fonctions à sa charge. Il travaillait dur, mais demeurait pauvre et misérable. Cette pauvreté avait une origine démoniaque. Et il est dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous convenez avec moi, cette bénédiction est donc très riche parce que c'est une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu bénit et quand il bénit, cela apporte la joie. Et cela aussi provoque la jalousie du diable qui ne veut pas que les enfants de Dieu expérimentent la bénédiction de Dieu qui n'est pas suivie de douleur ou de chagrin. Il s'oppose, il s'impose et il se donne comme obstacle à tous ceux qui veulent et qui croient à la bénédiction de Dieu. Ce fut le cas du couple Diomandé, cet esprit méchant qui suivait l'homme et avait bloqué la prospérité de cette famille. Mais il a fallu la prière, cette prière déterminante du couple qui a tout bouleversé et qui a détruit les obstacles sur le chemin de cette famille. Aujourd'hui, c'est la victoire totale. Cet esprit méchant a non seulement été exposé, mais il a été chassé. Et ce contrat si précieux a été signé. Aujourd'hui, ce couple vit la prospérité. C'est ce que le Seigneur fait. Et il nous invite à travers cette histoire à demeurer ferme dans la prière, mais aussi à réaliser qu'il y a des esprits méchants qui travaillent pour rendre pauvres. Mais un secret nous est donné à travers cette histoire, c'est la prière fervente, la prière persévérante. Et surtout, elle disait, il a fallu qu'elle soit aux différentes croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales pour expérimenter la délivrance totale et authentique. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le renversement des principautés personnelles et familiales, vous pouvez suivre nos différentes croisades sur nos canaux RTVC Côte d'Ivoire, que ce soit YouTube ou Facebook ou aussi CMCI. Côte d'Ivoire, nous disons gloire et merci au Seigneur Jésus-Christ qui continue de délivrer de la pauvreté. Et aujourd'hui, c'est un couple heureux qui donne aussi de l'espoir à tous ceux qui ont suivi ce témoignage. Demeurons dans la prière, nous sommes à la fin de ce numéro. Nous pouvons aussi vous aider à expérimenter une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, car il faut le signifier. Cette histoire a commencé d'abord avec une profonde relation avec le Seigneur Jésus, nous pouvons vous aider. Suivez-nous ou écrivez-nous sur ces différents contacts qui s'affichent en ce moment au bas de vos écrans. Merci d'avoir suivi ce numéro qui certainement vous a édifié. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Jésus guérit, il pardonne, il